Nous démarrons cette journée par le focus pays numéro 2 dédié aux États de la Guinée-Bissau et du Niger. Autour de la thématique « La réduction du déficit en infrastructures, stratégie de financement et impact sur la croissance ». Nous passons la parole à M. Tembly de la Banque Ouest-Africaine de Développement qui en sera le modérateur. M. Tembly, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Diao, de me donner la parole. Chers panélistes, bonjour. Je voudrais d'abord remercier IMO à titre d'avoir en tout cas associé au plus haut niveau la BOAD à cette importante rencontre. En notre qualité donc d'émetteur de référence de ce marché des titres, nous accueillons favorablement cette invitation. Il faut rappeler, parce que ça a été dit et c'est pratiquement connu de tous, l'activité au cours de l'année 2020 s'est déroulée dans un contexte marqué par l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur l'ensemble des économies de la zone UEMOA. Outre ces conséquences sanitaires, la pandémie a eu un impact sur le ralentissement de l'activité économique au sein de l'Union. Selon le FMI, la croissance de l'Union serait de 0,3% en 2020 contre 6,1% en 2019, alors que l'économie mondiale devrait se contracter de 4,9%. En dépit de ce ralentissement, il faut rappeler quand même que la zone UEMOA demeure l'une des zones économiques les plus dynamiques en 2020. Alors, la relance attendue en 2021 devrait porter la croissance de la zone à 5,3%, alors que celle de l'économie mondiale et de l'Afrique subsaharienne se situeront respectivement à 5,2% et 3,1%. Les États de l'Union ont mis en œuvre des initiatives pour limiter les conséquences de la pandémie au plan sanitaire et économique. Ils annoncent effectivement des plans de relance de leurs économies respectives pour les années 2021 et au-delà. Le focus pays dont il est question mettront l'accent sur ces initiatives. Ils mettront également en avant les secteurs résilients des pays de la zone UEMOA, ainsi que les stratégies envisagées pour la période post-COVID. Le thème du panel, à savoir la réduction du déficit en infrastructure, stratégie de financement et impact sur la croissance, est d'actualité, malgré les importantes ressources investies dans ce secteur. En effet, selon la Banque mondiale, le déficit d'infrastructures prive l'Afrique de 2 points de croissance du PIB chaque année. De même, dans la zone UEMOA, l'un des principaux freins au développement du secteur privé, qui se trouve être le moteur de la croissance économique, est le manque d'infrastructures efficientes dans les secteurs de transport, de l'énergie et des TIC. Ce déficit conduit à des coûts de production des services élevés, une absence de compétitivité des entreprises et un impact négatif sur les flux des investissements directs étrangers. Au regard donc de l'importance des infrastructures pour le développement économique, il s'avère nécessaire de construire en priorité celles qui ont un impact évident et direct sur la croissance économique. Dans le secteur de l'énergie, la plupart des pays de l'UEMOA sont confrontés à des pénuries récurrentes d'énergie électrique.
les systèmes électriques sont caractérisés par un taux d'accès à l'électricité très faible, environ 17%, un coût au kilowattheure très élevé, l'un des plus élevés au monde. On parle de 16 cents d'US dollar et un environnement réglementaire non adapté dans certains pays. Et enfin, un grand potentiel d'énergie renouvelable non exploité ou en tout cas insuffisamment exploité. Face à cette situation, la BOAD, la Commission de l'UEMOA et la Banque centrale ont lancé en 2009 l'initiative pour l'énergie durable, appelée communément IRED, marquée par la création du Fonds de développement énergie avec une dotation initiale de 250 milliards de francs CFA. Alors, l'objectif de cette initiative est de juguler la crise énergétique à l'horizon 2030 avec des investissements estimés à environ 20 000 milliards de francs CFA. Alors, s'agissant des infrastructures de transport, là aussi, elles sont très, très insuffisantes, que ce soit les infrastructures ferroviaires, routières, portuaires ou aéroportuaires, elles sont relativement insuffisantes. Par exemple, la densité est de 7 km de route pour 100 km carrés contre 177 km en France, par exemple. En outre, les infrastructures existantes sont souvent obsolètes et très mal entretenues, ce qui entraîne, entre autres, une augmentation du coût des transports des marchandises d'environ 30 à 40% et des pertes de production de près de 8% dans certains pays. Alors, il faut dire qu'à l'horizon 2030, deux tiers de la population ouest-africaine vivront dans les centres urbains. Pour faire face à la demande sociale qui en résulterait, une forte augmentation des infrastructures de transport est nécessaire. Enfin, s'agissant des infrastructures de télécommunication et de la digitalisation, la sous-région connaît une très faible connectivité. En effet, l'utilisation d'Internet pour 100 habitants reste très faible. Elle est comprise entre 2 et 18, nettement en dessous de la moyenne africaine qui est de 21 environ. Alors, chers panélistes, ces statistiques montrent à suffisance l'importance du défi à relever par les pays africains en général et ceux de la zone UEMOA en particulier dans la réduction du déficit dans le domaine des infrastructures. Alors, pour en parler, mesdames et messieurs, deux pays vont animer ce panel que j'ai l'insigne honneur de modérer. Il s'agit donc de la Guinée-Bissau, comme M. Diao le disait, dont la délégation est conduite par M. Nivaldo Correa Mendes, qui est donc le directeur général chargé des prévisions et des études économiques au ministère de l'Économie et des Finances, et du Niger, dont la délégation est conduite par M. Issa Djibo, qui est donc le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique du Niger. M. Djibo est accompagné de M. Ekadi, qui est le directeur des études et des statistiques à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, de Mme Alimatou Soulé Djibril, directrice de la dette publique, et de Mme Fatih Moussa, chef de service des marchés financiers. Alors, les présentations, les focus pays, si on préfère, s'articuleront autour des points ci-après. Il y aura un bref aperçu du pays et en termes de taille de la population, en termes de taux de croissance naturelle, la qualité des institutions et la facilité à faire des affaires et la notation financière éventuellement du pays. Et le niveau de développement en termes d'IDH, de PIB par habitant, etc. Le deuxième point du focus va porter sur la situation économique récente du pays. Et ensuite, les projets structurants et avec un focus sur les infrastructures. Un quatrième point portera sur les perspectives économiques à moyen terme, sur la période 2021-2023.
Et enfin, le plan de financement 2021 avec un focus sur le montant à lever sur le marché des titres publics. Alors, après ces deux présentations, nous échangerons pendant 20 minutes sur... il faut rappeler que chaque pays aura 20 minutes pour sa présentation. Et donc, après ces deux présentations, nous échangerons pendant 20 minutes sur les dites présentations. Donc, le modérateur se fera le plaisir de poser certaines questions de compréhension sur les deux présentations. Par la suite... nous passerions en revue les questions de l'auditoire pour une séance donc, de questions-réponses qui durera en tout 20 minutes. De telle sorte que tout le panel se déroule dans la plage horaire qui nous a été impartie, qui est de 1h30. Alors, avant de passer la parole aux représentants pays, je voudrais indiquer que les engagements de la BOAD s'élèvent respectivement à 569 milliards au Niger et 242 milliards de francs CFA en Guinée-Bissau, tout secteur confondu. Ainsi, dans les deux pays, la banque accorde une attention toute particulière au financement des infrastructures, avec respectivement 47% des engagements au Niger et 59% en Guinée-Bissau. Alors, pour illustrer mon propos, permettez-moi de citer quelques exemples de projets emblématiques financés par la BOAD sur les 5 dernières années dans le domaine des infrastructures. Par exemple, au Niger, nous avons la construction de la centrale thermique de Gourou-Banda d'une puissance de 100 mégas, la construction de l'aéroport de Tillabéri, l'aménagement et le bitumage de la voirie urbaine de Djifa, la construction du barrage de Kandaji, etc., etc. Et en Guinée-Bissau, voilà, donc il y a la construction d'une centrale thermique de 15 mégas à bord, l'aménagement et le bitumage de la route Bouba-Kacho, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures et équipements du port de Bissau, la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport international Osvaldo Vieira, etc. Voilà, donc un certain nombre de projets emblématiques financés par la BOAD sur les 5 dernières années. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je voudrais donc inviter monsieur Mendes Correa, qui est donc le chef de la délégation bissau-guinéenne, à prendre la parole pour son focus pays. Alors, deux mots sur monsieur Correa. Monsieur Correa est donc titulaire d'un master en expertise économique de l'Université de Paris-Est Créteil. Il est spécialisé en économétrie et statistique. Et par ailleurs, il a une maîtrise en monnaie, en banque et marché financier. Il faut dire qu'il a débuté sa carrière en France, précisément à l'Union des groupements d'achat public, avant d'intégrer la Banque Ouest-Africaine de Développement en 2012 au poste donc d'économètre financier chargé de la planification. En 2015, sur requête donc du gouvernement bissau-guinéen, il est mis en position de détachement auprès du gouvernement en qualité de conseiller technique du ministre, du secrétaire d'État au plan et à l'intégration régionale. Depuis 2019, il est chargé donc, il est le directeur général chargé donc des prévisions et des études économiques. Il faut relever également que depuis 2017, Monsieur Correa est administrateur à la BOAD pour le compte de la Guinée-Bissau. Donc, sans plus tarder, je m'excuse d'avoir été un peu long. Mais sans plus tarder, je vais donc, avec votre permission, passer la parole à Monsieur Correa pour sa présentation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous avoir dans ce panel. Après quelques années passées à la banque avec vous, je suis très ravi de vous avoir dans ce panel. Avant de commencer ma présentation, je voudrais aussi
présenter tous mes remerciements à lui au moins titre pour l'ensemble des diligences qui a été prise pour que disons, cette session puisse se tenir. Mes nécessaires remerciements pour tout ça. Pour commencer ma présentation, je pense que je vais partager mon écran. Donc, comme vous l'avez bien rappelé, vous l'avez souligné dans votre présentation, nous allons vous faire une présentation en 6 points. Le premier point va faire un bref aperçu de la Guinée-Bissau. Le deuxième point va se pencher sur, disons, la situation économique récente sur les trois dernières années 2018-2020. Ensuite, nous allons analyser avec vous l'état d'avancement de quelques projets structurants. Nous en avons choisi 4. Quelques-uns ont été, disons, rappelés dans votre intervention, Monsieur le Conseiller. Ensuite, nous allons vous présenter quelles sont les perspectives à moyen terme de la Guinée-Bissau sur la période 2021-2023. Après, nous allons vous présenter également la stratégie d'endettement du pays à moyen terme. Et pour finir, nous allons vous présenter notre plan de financement pour l'année 2021. Alors, sans plus tarder, sur l'aperçu de la Guinée-Bissau, je voudrais juste indiquer que l'Institut national de la statistique a réalisé un recensement de la population. Le dernier recensement réalisé, c'était en 2009. Et ce recensement avait estimé que la population bissau-guinéenne enregistre un taux d'accroissement annuel moyen de 2,2%. Alors, on est parti d'une population estimée à l'époque à un peu plus de 1,4 milliard. Et sur la base de ce taux de croissance, on estime qu'en 2020, on sera aux alentours de 1,841 million habitants. Et à l'horizon 2023, on va s'approcher de 2 millions environ à peu près 1,965 million habitants. Donc, concernant l'évaluation des politiques et des institutions nationales réalisées par la Banque mondiale en 2019, le score qui a été attribué à la Guinée-Bissau est de 2,5 en 2019 et c'est la même note que nous avions eu en 2018. En termes de facilité à faire des affaires, la Guinée-Bissau aujourd'hui, disons en 2020, se place en 174e position par rapport à 2019. Il a gagné un rang parce que en 2019, il était à 175e position. L'indice de développement humain, comme vous le savez, la Guinée-Bissau fait toujours partie des pays à indice de développement humain très faible. Le dernier rapport du PNUD révèle que l'indice de développement humain de la Guinée-Bissau pour l'année 2019 est de 0,48 contre 0,47 en 2018. Nous avons quand même fait une progression qui n'est pas négligeable. Alors, au niveau de la situation économique récente, on est parti, disons, d'un PIB de 3, d'un PIB réel de 3,4% en 2018. Compte tenu des performances que l'économie a enregistrées en 2019, qui a été largement soutenue, comme vous le savez, nous avons une économie fortement dépendante du secteur de la Nagarde. Donc, avec les bonnes performances enregistrées en 2019 dans ce secteur-là, nous avons pu atteindre un taux de croissance de 4,5 en termes réels. L'année 2020 sera une année un peu atypique, car comme vous le savez tous, l'impact de la COVID-19
s'est fait ressentir dans toutes les économies, y compris la Guinée-Bissau. Donc, il est attendu une contraction de notre économie à hauteur de 2,3%. Le PIB nominal a à peu près suivi la même tendance. Vous avez un PIB nominal en 2018 estimé à 832 milliards, un peu plus de 832 milliards. On est monté à 860 milliards en 2019. Par contre, en 2020, on y aura une quasi-stagnation. On sera aux alentours de 861 milliards. Donc, les secteurs, le secteur, disons, la locomotive de l'économie bissau-guinéenne est effectivement le secteur de l'anacarde. Quand ce secteur est impacté par des chocs, vous avez tout de suite une répercussion au niveau de la croissance. Il est attendu que l'inflation reste à des niveaux modérés. En 2018, on était à 1,4. En 2019, on a fait mieux, on est à 0,2%. Et en 2020, il y a eu quelques oscillations de prix, mais cela reste dans la limite de ce qui est la norme communautaire. Donc, on sera en 2020 à 1,5% d'inflation. Maintenant, nous allons vous parler de l'état d'avancement de quelques projets structurants. Dans les projets structurants, nous en avons choisi quatre. Deux projets dans le secteur de l'énergie et deux projets dans le secteur des transports. Comme le disait tout à l'heure Monsieur le conseiller, nous avons le projet d'interconnexion électrique des États membres de l'OMVG. Il s'agit d'un projet de 1600, il s'agit de construire en fait 1677 km de lignes de transport de 225 kW d'interconnexion de réseaux électriques des quatre pays de l'OMVG et de 15 postes de transformation de haute tension et de moyenne tension. Pour la Guinée-Bissau en particulier, il s'agit de 217,6 km de lignes et 4 postes de transformation. Niveau, disons, de l'état d'avancement des travaux, on peut relever que la construction, à ce jour, est de la contribution de la Guinée-Bissau, en termes de financement, la contribution de la Guinée-Bissau dans ce projet est de 11,5 milliards. Et ces 11,5 milliards ont été financés en partie par la BOAD sur les ressources propres de la banque et en partie par les ressources du Fonds de développement énergie, qui est un fonds qui est issu de l'initiative IRED, comme l'a précisé Monsieur le conseiller dans son intervention. Au niveau de l'avancement des travaux, on peut souligner que les travaux sont en cours et devraient permettre, disons, d'exploiter cette énergie à l'horizon 2022. Le deuxième projet concerne le projet de la centrale thermique de Bor. Le coût de ce projet est d'environ 25 000 milliards et la BOAD y a contribué pour plus de 23 milliards. L'État a apporté sa contribution à hauteur de 1,5 milliard. Il s'agit en fait d'acquérir des groupes thermiques, voilà, et qui sont déjà par ailleurs achetés, si vous voulez. Et en termes d'état d'avancement physique, c'est vrai qu'il y a eu des retards parce que dans l'exécution du projet, il a été relevé que le sol n'était pas, disons, adapté pour accueillir la centrale. Mais des discussions techniques sont en cours pour pouvoir trouver une solution à ce problème de sol. Donc, nous pensons aussi que dans les mois à venir, les travaux vont reprendre. Le deuxième volet des projets que nous avons choisi, c'est évidemment les projets de transport. Il y en a deux que nous avons pensé que ce sont des projets très importants que nous pouvons vous présenter. Le premier, c'est le projet du port de Bissau. Comme vous savez, quasiment la Guinée-Bissau dépend d'un seul port, qui est le port de Bissau.
Le projet a pour objet la réhabilitation des infrastructures et la modernisation des équipements du port. Le coût du projet est de 15 milliards, financé quasi entièrement par la BOAD. Disons que la construction des garanties, qui est une des conditions pour la levée, pour le démarrage du projet, donc ces conditions de garantie sont en cours. Et nous espérons que dans pas longtemps, ce projet va démarrer. Et d'ailleurs, tous les documents de passation de marché sont déjà préparés. Le quatrième projet, qui est un projet phare, c'est le projet de construction et d'aménagement et d'optimage de la route de Boubacatio, qui a été réalisé en trois phases, un projet de 27,9 milliards. Disons que le revêtement en béton bitumineux de la route Boubacatio sur une longueur de 60,7 km, il y a lieu d'indiquer également l'aménagement en deux fois deux de la voie qui est en fait dans la pleine ville de Catio. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie qui a été financée par la BOAD est de 27,9 milliards, mais le coût global du projet est de 29,7 milliards. Les travaux sont quasiment finis. Il reste une petite partie qui concerne plus la construction de la gare et du marché de Catio, mais nous pensons que au plus dans 2 mois, cela va être bouclé. Alors, nous venons de parler des projets structurants. Donc, maintenant, il s'agit de parler de l'impact sur la croissance. Bien évidemment, tous ces projets, compte tenu de leur importance, compte tenu, disons, de tout ce que ce projet va apporter, tant aussi bien en termes de création d'emplois, en termes de facilitation, de l'évacuation des produits qui sont produits dans certaines zones, le fonctionnement des industries avec l'énergie, nous pensons que tous ces projets auront des impacts significatifs au niveau de la croissance. C'est pourquoi en 2021, on estime que la croissance va redémarrer en 2021 et nos projections tablent sur 4,7 pour 2021. Et la tendance haussière va se poursuivre en 2022 et en 2023. L'inflation restera maîtrisée aux alentours de 1,4% et le PIB nominal, évidemment, va se rapprocher d'un peu plus de 1 000 milliards de francs CFA. Cette croissance sera aussi impulsionnée par les performances que nous aurons enregistrées, que nous attendons dans le secteur du cajou. Comme je vous l'ai dit, c'est un secteur phare, mais la diversification aussi est un aspect que le gouvernement prévoit de mettre en avant pour que l'économie ne soit pas dépendante d'un seul produit. Voilà en gros ce que nous attendons en termes de perspective. Alors, quelle est l'orientation de la stratégie d'endettement à moyen terme? Nous venons d'approuver un plan national de développement sur la période 2021-2023. C'est un plan ambitieux, il est vrai. Tout de même, nous pensons qu'il est possible, si les conditions sont réunies, s'il y a la stabilité et si nous consacrons tous nos efforts à mobiliser des ressources et à exécuter des projets convenablement. Donc, pour cela, nous avons le plan à privilégier un certain nombre de sources de financement, parmi lesquelles il me plaît de citer le programme de développement des infrastructures en Afrique, le consortium des infrastructures pour l'Afrique, ICA, les fonds souverains, il y en a beaucoup, nous avons identifié, nous pensons les démarcher, le marché sous-régional des titres, les marchés publics,
Il y a d'autres instruments, notamment les partenariats publics et privés, un instrument que nous avons déjà fait, on a fait beaucoup d'avance sur cet aspect-là, et nous pensons poursuivre, disons, les négociations, le partenariat avec nos bailleurs traditionnels, parmi lesquels il y a la BOAD, qui est un partenaire de référence aujourd'hui en Guinée-Bissau. Il y a la Banque mondiale, la BAD, bien évidemment, et les autres banques, notamment la BADEA et la BI. Mais la BOAD demeure, le plus grand bailleur aujourd'hui de la Guinée-Bissau. Alors, en termes de financement, notre plan de financement pour l'année 2021, si vous regardez le budget pour l'année 2021, il pèse pour un peu plus de 253 milliards. Donc nous pensons que quasiment 48% du budget sera couvert par les recettes fiscales, les recettes non fiscales, donc les impôts. Et vous avez le financement qui va, disons, nécessiter, qui va faire appel à un peu plus de 52% du budget. Donc, on a 133 milliards à mobiliser, soit auprès des partenaires, soit au niveau du marché financier. Donc, les premiers contacts nous ont permis d'estimer que nous pouvons atteindre un niveau de don projet de 30 milliards. Le reste, évidemment, nous devons aller chercher soit sur le marché financier, soit à travers les projets directement, comme c'est le cas avec la BOAD. Donc, sur les projets, nous pensons pouvoir mobiliser 20 milliards. Au niveau des titres publics, nous pensons que 83 milliards au moins doivent être mobilisés sur le marché des titres publics, avec une répartition de 42% pour, les bons assimilables du Trésor et 58% pour les obligations assimilables du Trésor. Voilà en gros ce que nous pouvons dire du plan de financement prévisionnel de la Guinée-Bissau, étant entendu qu'il s'agit d'un plan prévisionnel. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une moindre performance, par exemple dans les dons projets, vous pouvez privilégier un recours beaucoup plus accentué au marché des titres. Ce qui fait que, d'ailleurs, je pense que ce montant, ce que nous allons chercher sur le marché des titres, peut dépasser légèrement les 83 milliards. Donc, voilà en gros ce que nous avons à présenter de la partie bissau-guinéenne, et je vous remercie pour votre attention. Allô? Allô? Voilà, je vous reçois maintenant. Voilà, merci beaucoup, monsieur Correa, pour votre brillante présentation, hein. Vous avez donné en tout cas pas mal d'éléments sur l'économie bissau-guinéenne en termes statistiques, donc historiques, et en termes prospectifs. Donc nous vous en remercions, et de toute façon nous allons y revenir dans la deuxième partie. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole, avec votre permission, à monsieur
Monsieur Ekade, hein, Monsieur Ekade, donc Bilia Mini, qui donc va se charger de la présentation du focus du Niger. Très rapidement, et deux mots sur Monsieur Ekade. Il est titulaire d'un master 2 en macroéconomie, option gestion et finances publiques, gestion des finances publiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et d'un diplôme d'ingénieur des travaux statistiques de l'Université Garioni de Benghazi. Au plan professionnel, il faut dire que depuis février 2020, Monsieur Ekade est directeur des études et statistiques à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Avant ce poste, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, si je peux parler comme ça, notamment celui de chef de division des statistiques, des études économiques et financières, chargé donc de la gestion active de la trésorerie, du suivi des réformes et de la mise en œuvre du compte unique du Trésor. Et sans plus tarder, donc, je laisse la parole à Monsieur Ekade. Monsieur Ekade, vous avez la parole. Merci, parfait. Donc, je m'en vais vous dérouler notre présentation autour du thème réduction du déficit en infrastructure et stratégie de financement et impact sur la croissance économique, qui va s'articuler autour de cinq points. Voilà. Un premier point, on va échanger sur le bref aperçu du pays. Ensuite, un deuxième point où on va brièvement parler de quelques indicateurs macroéconomiques. Ensuite, en grand 3, on va échanger sur l'évolution du stock d'infrastructure et impact sur la croissance en trois sous-points. Un premier sous-point qui va faire l'état de lieu du stock au cours de la période 2011 à 2018. Ensuite, on va un peu échanger quelques points sur la stratégie de financement des projets d'investissement en général et quelques chiffres sur l'impact sur la croissance économique. En grand 4, on va brièvement donner quelques perspectives économiques à moyen terme 2021-2023 et terminer par le grand 5 sur le plan de financement en mettant un accent particulier sur le marché des titres publics. Bien, ceci étant, pour le premier point, l'aperçu du pays, vous avez pour les investisseurs qui ne sont pas de la zone, la carte qui est à droite de l'écran. Le Niger, c'est 1 267 000 km². Il est complètement situé à l'extrême est de la zone Imoa. En termes de population, c'est 21,5 millions d'habitants, selon les dernières estimations de l'Institut national de la statistique, avec près de 75% qui ont moins de 35 ans. Le taux de croissance de cette population a été estimé à 4,1%, toujours selon les mêmes estimations de l'Institut national de la statistique. En termes de notation financière, complètement en dessous de notation financière, contrôle en dessous de l'écran. Malheureusement, vous ne l'avez pas affiché. Sinon, en plus de ce qui s'est fait dans la zone IMOA, nous avons aussi bénéficié de la notation financière internationale à travers l'agence Moody's avec la note B3 perspective. Alors, pour le deuxième point, la situation économique, quelques indicateurs. Le taux de croissance a légèrement baissé entre 2018 et 2019, en passant de 6,5% en 2018 et 5,9% en 2019, grâce au soutien du secteur agricole et les BTP. Cette baisse s'est malheureusement accentuée au cours de l'année 2020, où les dernières estimations du Fonds monétaire international ont fixé ça à 1,2% suite à la pandémie de la COVID-19. En moyenne, sur les cinq prochaines années, la croissance est estimée être à 8,7%, avec un pic en 2022, une croissance à deux chiffres donc,
12,9% grâce à la finalisation des travaux du pipeline qui vont accroître l'exportation du pétrole brut. C'est ce que nous avons sur le graphique complètement à droite et ce qui est illustré. Pour ce qui est de l'inflation, nous étions à un niveau, nous étions dans une situation confortable en 2019 avec moins de 5%. Malheureusement, cette situation s'est beaucoup dégradée au cours de l'année 2020, suite donc à la pandémie de COVID-19 que j'évoquais tantôt, où les dernières estimations ont fixé l'inflation à 2,8%. Avec la relance de l'économie post-COVID, l'inflation est projetée être à moins de 2% sur les 5 prochaines années. Alors, pour ce qui est du déficit, il était à 3,6% en 2019. Malheureusement, il s'est beaucoup creusé de l'année 2020 et il a été estimé à 5,8%. À partir de 2021, on va constater une baisse. Il va amorcer une baisse, 4,7%. Cette baisse va se poursuivre au cours des 5 prochaines années et à moins le niveau du déficit est fixé être à 3%. Au cours donc des 5 prochaines années, grâce notamment à la production du pétrole, surtout, et au potentiel d'exportation des hydrocarbures. Alors, les niveaux d'endettement du secteur public est lui contenu à 35,8% en 2018, 39,1% en 2019 et 42,5% en 2020. En dessous donc de la norme communautaire de l'IMOA qui est fixée à 70%. Ces niveaux d'endettement devraient décroître dans les prochaines années, soutenus surtout par la consolidation fixant pour atteindre les 33,3%. Voilà, nous en venons maintenant au grand 3 qui nous donne l'évolution des stocks d'infrastructures suivant une période 2011-2018. On va faire d'abord le premier sous-point état des lieux et de ces infrastructures, sans être exhaustif, juste quelques secteurs clés. Le réseau routier d'abord, qui a connu une augmentation significative de 1738,3 km entre 2011 et 2018. Voilà, 2018, nous avons jusqu'à 20 687,3 km. Ces réalisations ont permis d'améliorer certains indicateurs dans le secteur, comme la densité routière, qui a passé de 9,3% en 2013 à 10,7% en 2018, et l'indice d'accessibilité rurale, qui a aussi évolué, 32,9% en 2011 et à 36,9% en 2017. Dans le domaine des TIC, il a été réalisé 3847 km de fibre optique. Linéaires ont été posés en 2018, qui a aussi apporté le taux de couverture de 89% en 2017 à 92,1% en 2018. Quelques projets structurants aussi ont connu des réalisations. C'est le cas, par exemple, de la modernisation de l'aéroport international Djuri Amman de Niamey, ce qui était là au cours de en juillet 2019. Pour des sommets de l'IA l'ont très bien constaté. Quelques hôtels aussi, de grands standing. Je vais citer trois, Radisson, Bravia, Noum. Aussi la construction de trois ponts sur le fleuve Niger, dont deux sont en cours d'achèvement, qui seront bientôt réceptionnés. La pose du pipeline pour l'exportation du brut via le Bénin, pour une longueur de 1800 km, dont les travaux ont démarré depuis 2017. Ensuite, dans le domaine de l'énergie, on a constaté une augmentation, 53% ces dernières années, traduisant une augmentation de l'accès de 8,6% en 2010 à 12,9% en 2018. Pour ce qui est de la desserte en eau dans les villes, elle est passée de 1,903,740 personnes en 2010 à 3,543,480 en 2018, soit un accroissement de 86%. Ceci a été rendu possible grâce au renforcement des infrastructures et la réalisation des branchements sociaux et les bonnes fontaines
Quant aux infrastructures scolaires et sanitaires en termes de construction de classes et de construction de centres de santé, pour le premier, les infrastructures scolaires, ce qui est les infrastructures qui sont déjà opérationnelles, 12 maternités publiques, la mise à niveau de 3 hôpitaux du district et la transformation de 19 cases de santé en centres de santé intégrés, portant ainsi le taux de couverture sanitaire de 47,4% en 2011 à 50,6% en 2018. Alors, globalement, la stratégie de financement des projets d'investissement, pour financer la stratégie suivante, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait, merci. Pour financer d'une manière globale les projets d'investissement public, il existe au Niger un canevas, 10 critères d'éligibilité au financement sectoriel, qui définit les règles d'éligibilité d'un projet d'investissement public envisagé par le gouvernement dans un secteur donné selon le mode de financement. Ces critères visent à déterminer de manière efficace et efficiente la nature des ressources affectées au financement des projets en fonction de leur effet sur la production, les revenus des ménages et les recettes de l'État. Ces critères d'éligibilité sont basés sur le mode de financement et l'alignement du programme d'investissement de l'État sur les actions majeures prioritaires retenues dans le programme de développement économique et social 2017-2021. Les critères supposent également le choix d'une combinaison optimale entre les différents instruments de financement qui sont par ordre de priorité d'abord les ressources propres et ou les modes alternatifs de financement, dont prêts et ressources du marché. Les critères requièrent d'abord une étude de faisabilité qui va évaluer les effets attendus du projet sur la production nationale, les revenus des ménages et les recettes de l'État. À ce titre, il a été identifié 3 catégories de projets selon les effets identifiés. D'abord, une première catégorie, c'est les projets qui ont des effets directs sur la production nationale, les revenus des ménages et les recettes de l'État. Ensuite, en deuxième catégorie, les projets qui ont des effets indirects sur la production nationale, les revenus et les recettes de l'État. Et la troisième catégorie, c'est les projets ayant des effets à moyen terme sur la production nationale, les revenus des ménages et les recettes de l'État. Le mode de financement d'un projet dans un secteur donné est fonction de sa catégorie. En particulier, tous les projets d'investissement public inscrits dans le domaine du programme d'investissement de l'État sont éligibles aux ressources internes et dons. Voilà pour ce qui est de la stratégie de financement. L'impact sur la croissance économique. Ici, je vais partager avec vous les conclusions d'une étude récente qui a été réalisée en mars 2020 par l'Institut national de la statistique sur le thème. La thématique qui a élevé effectivement qu'il existe un effet positif sur la croissance économique aussi bien à court terme qu'à long terme. Cependant, cet effet, selon la même étude, n'est significatif qu'à long terme. Ainsi, au Niger, une augmentation du stock de 10%, le stock d'infrastructures donc de 10%, entraîne une augmentation à long terme de la croissance économique de 2,4%. L'étude a relevé qu'à court terme, l'effet existe, il est positif, mais il n'est pas significatif. La même étude a aussi relevé que l'augmentation du stock des infrastructures réduit le coût des entreprises. De l'efficacité et de l'efficience. Nous avons fait l'objet d'une évaluation PIMA, comme la plupart des pays de la sous-région et de la zone IGMOA, qui a révélé en mars 2019 l'existence d'un cadre de gestion robuste malgré une efficience faible. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît, grand 4 pour les interfaces. Ici, je vais partager avec vous quelques opportunités d'investissement pour vous, les investisseurs que vous êtes.
plusieurs projets sont programmés dans les 5 prochaines années. Sans être exhaustif, je vais citer certains. La construction du pipeline domestique pour le transport du pétrole raffiné, dont deux projets connexes sous forme de dons, la Côte du pétrole et l'hôpital de référence, un hôpital de référence dans une région Tawa. Ensuite, la construction de 1550 logements sociaux, la construction aussi de deux centrales thermiques, une à Niamey et une à Zender. Ensuite, la construction d'une centrale photovoltaïque, la construction aussi d'une mine de charbon, aussi la mise en exploitation de la mine d'uranium avec Goviex, le Canadien, et il est prévu aussi le démarrage des travaux de la mine du Mourarin. Voilà en fait quelques projets d'investissement, quelques opportunités que j'ai jugé utile de partager avec vous. On vient maintenant au plan de financement en grand 5. Pour l'année 2021, le besoin de financement selon la stratégie d'endettement qui a été déroulée a été évalué à 730,3 milliards pour l'année 2021. Alors, la stratégie retenue avec la clé de répartition, 59,1% de ces montants sera mobilisé sur les ressources externes et 40,9% sur les ressources au titre du financement intérieur, à peu près donc 300 milliards. Alors, c'est 300, sur le marché des titres publics, nous avons voulu partager avec vous quelques stratégies qui vont porter sur, par exemple, des émissions de taille de 5 à 30 milliards pour une meilleure couverture, des interventions régulières sur le marché financier régional, les recours des titres infinis qui sont très prisés par les investisseurs, un abondement systématique des titres pour en réduire le nombre, une gestion active de la dette et de la trésorerie pour minimiser le risque de refinancement. Pour 2021, la levée de ressources sur le marché des titres publics va porter sur un montant de 435 milliards au total, dont 300 milliards constitués d'obligations du trésor. Ces obligations du trésor, pour terminer, seront décomposés comme suit. Je ne vois pas la diapo sur l'écran. Voilà. Ces obligations du trésor, complètement le dernier point, elles seront décomposées comme suit. 4 émissions de 3 ans in fine pour un montant de 95 milliards. 7 émissions de 5 ans in fine pour un montant de 120 milliards. 3 émissions de 7 ans in fine pour 55 milliards. Et 2 émissions de 10 ans in fine aussi pour un montant de 30 milliards. Voilà donc, monsieur le modérateur, globalement, les quelques éléments que nous avons souhaité partager avec l'ensemble des investisseurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ekadé, pour votre présentation. Qui est très clair, hein, qui présente effectivement la situation économique du Niger, mais qui présente aussi un pipeline de projets assez consistant. Hein. Je pense que ça peut inspirer, n'est-ce pas, les investisseurs que nous avons autour de la table. Donc, autour du call. J'ai noté effectivement que vous allez solliciter le marché des titres publics pour un montant de 435 milliards de francs CFA en 2021. La même chose pour la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau aussi va fortement solliciter le marché des titres publics en 2021 pour un montant d'environ 83 milliards de francs CFA, c'est dire vraiment toute l'importance et toutes les attentes, en tout cas, qui sont les vôtres, s'agissant, n'est-ce pas, du financement de vos économies respectives par le marché des titres publics. Donc, merci beaucoup pour ces deux présentations.
Alors, donc, nous allons passer à la phase donc, des échanges sur les présentations. Je vais peut-être commencer par la Guinée-Bissau qui donc, a fait la première présentation. Donc, comme je le disais, et vous attendez 83 milliards de francs CFA en 2021 du marché des titres publics. C'est dire que vous avez des attentes très, très fortes hein, de ce marché-là. Mais au regard de la connaissance que vous avez de ce marché-là, est-ce que vous pensez véritablement, monsieur Correa, est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations qui peuvent être apportées au fonctionnement de ce marché des titres-là pour une meilleure contribution de ce marché au financement du développement des pays de la zone. Est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations possibles? Voilà, je vous laisse la parole, M. Correa. Merci, merci beaucoup, M. le conseiller. Effectivement, je dirais que je pense qu'il est possible de faire des améliorations. Je ne parlerai pas... peut-être des améliorations en termes d'organisation, mais je pense qu'il faut que le marché puisse s'adapter et répondre aux besoins des États. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, nos États ont besoin de financements longs. Pour financer des infrastructures, il est quasiment impossible de financer des infrastructures avec des ressources de courte durée. Donc, ce qui serait intéressant pour le marché, c'est apporter une innovation dans, la durée qui est proposée des titres. Si le marché arrive à proposer des durées qui peuvent atteindre 15 ans et plus, ce serait vraiment quelque chose qui pourra répondre aux besoins de financement des États. Car, comme vous le savez, le besoin est énorme, mais pour financer ces infrastructures-là, nous avons besoin de ressources adaptées. Et c'est dans ce sens-là que je verrai le marché des titres publics à contribuer convenablement à la création d'infrastructures dont a autant besoin nos États. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je pense quand même que c'est vous qui émettez les titres hein, sur les marchés. Et donc, c'est à vous de définir vos besoins. Est-ce à dire que vous sollicitez des maturités longues, mais auxquelles le marché n'arrive pas à répondre? Est-ce qu'il est arrivé des cas où vous avez sollicité, par exemple, une maturité de 10-15 ans et qu'à l'arrivée, le marché n'a pas pu répondre à une telle durée? Est-ce que c'est des cas qui sont arrivés déjà? Je pense que l'engouement de l'investisseur, c'est de pouvoir investir rapidement et de pouvoir avoir un retour sur investissement rapide. C'est peut-être ça qui fait que je dis que ça peut être l'un des motifs qui fait que les États, ayant besoin de financement tout de suite, se dit peut-être qu'en émettant à courte période, j'aurai beaucoup plus de souscripteurs et ça va me permettre de résoudre les problèmes à court terme. Mais je pense qu'il faut plus regarder à long terme si on veut vraiment financer les infrastructures. OK, merci beaucoup. Je pense que l'équipe du directeur général est dans le call. Hein. Je pense qu'elle a bien noté cette préoccupation. Alors, l'autre point que je voulais échanger avec vous, Monsieur Correa, vous avez parlé aussi des PPP. Vous avez parlé des PPP comme
modes alternatifs, n'est-ce pas, de financement des infrastructures. Mais est-ce qu'il y a des cas au niveau de la Guinée-Bissau, des cas de projets d'infrastructures qui ont été financés suivant ce mode-là, hein, suivant ce mode de financement? Et à la date d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un pipeline de projets susceptibles, n'est-ce pas, d'être financés en mode PPP? Je pense que ça peut intéresser les investisseurs qui sont autour de la table également. Voilà, merci. Tout à fait. Bon, je vais commencer par répondre. Est-ce qu'il y a des cas de PPP qui ont été, disons, déjà des projets qui ont été exécutés en PPP en Guinée-Bissau? Je dirais que véritablement, non. Véritablement, non. Il y a eu quelques délégations de services, si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment en PPP dans le sens qu'on le voudrait. Alors, en termes de pipeline de projet, je voudrais indiquer que nous avons fait un travail que je considère qu'il est très appréciable. Nous avons fait un travail en deux temps. Premièrement, il y a eu un travail qui a été fait avec la Banque mondiale, qui a consisté à regarder dans notre pipeline de projets issus de notre plan stratégique, quels sont les projets qui pouvaient être potentiellement financés en partenariat public. Et à la fin, nous avons pu extraire quasiment 14 projets que la Banque mondiale pense qui pouvaient être financés sous forme de PPP. Et en deuxième temps, nous avons fait une analyse du portefeuille également avec la BOAD. Et dans cette analyse, nous avons augmenté le pipeline. Le pipeline est monté à 21 projets. Aujourd'hui, nous pouvons présenter aux investisseurs 21 projets qui peuvent être effectivement financés sous forme de PPP. Et d'ailleurs, nous sommes déjà en train de, disons, on a un projet de loi sur les partenariats publics-privés. Et ce projet de loi-là est soumis à l'Assemblée nationale populaire pour approbation. Voilà ce qu'on peut dire en termes de projet de partenariat potentiellement financiable en partenariat public-privé pour la Guinée-Bissau. Merci beaucoup. Donc, je note que c'est un chantier. Enfin, il y a beaucoup d'opportunités hein, en matière de projets susceptibles d'être financés en mode PPP. 21 projets hein, qui sont susceptibles, n'est-ce pas, d'être financés sur ce mode-là. Et que à la date d'aujourd'hui, bon, il n'y a pas de projet PPP à vrai dire en Guinée-Bissau. Et donc, c'est un champ qui est pratiquement vierge hein, à l'attention donc des opérateurs qui s'intéressent à ce pays-là et donc à ce type de financement. Merci, Monsieur Kouréa. Alors, je m'en vais revenir rapidement à Monsieur Ekadé. Monsieur Ekadé, vous avez beaucoup parlé de vos attentes hein, de ce marché des titres publics de l'UEMOA. Moi, je voudrais savoir, et selon vous, quel avantage le Niger tire-t-il de ce marché-là hein, par rapport aux autres modes de financement? Parce qu'il y a la maîtrise d'ouvrage public, il y a les PPP, il y a beaucoup d'autres possibilités de financement. Mais quel avantage spécifique tirez-vous, n'est-ce pas, de ce marché des titres-là? Parce que vous comptez quand même mobiliser près de 450 milliards de francs CFA rien qu'en 2021. Merci beaucoup. Merci pour la question. Je vais passer la parole à la directrice de la dette publique qui est avec moi de l'équipe. Comme ça, elle va mieux vous donner les éléments pour la question. Je lui passe la parole, si vous le permettez. D'accord.
Merci, Monsieur le modérateur. Par rapport donc par rapport aux autres modes de financement classiques, on peut dire que pour le marché des titres publics, ce marché nous assure une certaine souplesse dans la mobilisation des fonds. Et puis, il y a également une disponibilité de ces fonds-là dans le délai imparti. Et ça nous permet aussi de faire une certaine gestion active de la trésorerie. On a, par exemple, des possibilités de pouvoir faire des émissions donc d'un mois en cas vraiment de problème ponctuel. Et donc, ça permet... en fait, d'avoir peut-être une meilleure gestion du déficit. Voilà en gros ce que je pourrais dire par rapport donc aux avantages de ce marché des titres publics, même si à côté, effectivement, il y a quand même quelques difficultés auxquelles on se bute. Alors, comme vous... Vous avez lâché le mot, hein, les difficultés. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières, n'est-ce pas, liées à la mobilisation des ressources sur ce marché des titres là? Est-ce qu'il y a des contraintes? Oui, il y a quand même certaines contraintes. Parce que, par exemple, en début d'année, donc il y a un besoin de financement effectif qui est calculé pour chaque pays. Maintenant, si entre-temps, il y a des besoins de modifier en fait ce besoin de financement effectif, il y a quand même certaines contraintes. Il faudrait passer à un, comment on dit, déjà justifié. Pourquoi on a besoin de cette modification et puis aussi faire appel au conseil d'orientation donc qui doit donner son avis sur cette modification. Et il faudrait dire aussi que les taux d'intérêt sont plus élevés que, par exemple, pour des appuis budgétaires, où là, des fois, c'est plutôt des prêts concessionnels, en fait, qu'on arrive à avoir. Et aussi, on a le taux de couverture, ça, le présentateur de la Guinée-Bissau en a un peu parlé. Donc, le taux de couverture des émissions, en fait, plus il diminue, en fonction de la maturité. Plus les maturités sont longues, en fait, moins le taux de couverture est important. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. On n'entend pas. Le micro, je pense qu'il n'est pas ouvert. Votre micro n'est pas ouvert. Oui, excusez-moi, le micro était fermé pendant que je parlais. Merci beaucoup, Madame Djibrila, pour ces éléments de réponse. Hein. Bon, au niveau des contraintes, vous avez parlé du taux d'intérêt qui paraît élevé. La flexibilité qui n'est pas toujours au rendez-vous quand il s'agit de modification du programme initial, et vous avez parlé aussi de la maturité. Mais juste une question d'information, Madame Djibrila, est-ce que le Niger est présent sur le marché des eurobonds? Parce que là aussi, c'est des titres, mais bon, c'est sur une autre place financière. Si oui, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous avez eu à mobiliser des ressources sur ce marché-là? Juste pour ma gouverne. Merci, monsieur le modérateur. Donc, à proprement parler, on n'a pas eu à faire d'eurobond. Par contre, on a été sur le marché international pour mobiliser des fonds
qui nous ont permis même de reprofiler un peu notre dette, enfin, notre portefeuille de la dette. Quoi. Donc, ça nous a permis, en fait, de gagner en termes de maturité, surtout. Et puis, également, au niveau du taux d'intérêt aussi, qui a été revu un peu à la baisse, on va dire, au niveau du portefeuille. OK. Merci beaucoup, Madame Djibrila. Alors, l'autre point que je voulais aborder avec, avec vous, c'est les projets en PPP. Quelle est la place des projets PPP dans la stratégie de financement du Niger en matière d'infrastructure? Est-ce que les PPP occupent aujourd'hui une place importante en matière de financement des infrastructures? Merci pour la question. En fait, quand on regarde un peu notre portefeuille de la dette publique, les contrats de partenariat, l'encours donc des PPP ne représentent que 2% en fait de l'encours total de la dette publique du Niger, donc les PPP à paiement public. Aussi, on ne pourrait pas spécialement parler vraiment des PPP comme une stratégie de financement de l'État. Au contraire, même pour minimiser un peu les risques budgétaires, l'État privilégie plutôt les PPP de forme BOT, où là, c'est l'investisseur, enfin, le partenaire choisi par l'État qui finance, exploite, etc. Et puis maintenant, après, retourne l'actif à l'État. Bon, je ne sais pas si le DG va ajouter quelque chose peut-être. OK. Bonjour, monsieur Tambélé. Bonjour aux collègues qui sont en ligne et particulièrement aux investisseurs. Comme depuis hier, nous sommes là et on n'a pas eu l'occasion d'intervenir. Donc, on voudrait profiter vraiment pour féliciter l'agence Umuatitre pour cette organisation de ce forum. En même temps, vraiment encourager cette participation active de la BOAD dans le cadre donc, de ce troisième forum. Donc, je voulais sur ce point préciser, monsieur Tambélé, que en fait, la situation des BOT, des PPP, quand elle a été initiée au Niger, était beaucoup plus des préfinancements, une situation qui avait créé quelques problèmes au niveau de l'État. Et nous avons dû donc revoir la loi. Et cette loi, évidemment, comme la BOAD est là, on sait que sur le plan régional, un travail a été fait et il a permis au Niger de réviser la loi sur effectivement les PPP, ce qui fait que pour les investisseurs aujourd'hui, c'est assez plus facile et également pour l'État, comme elle a indiqué tout à l'heure, la dette de la dette, nous avons essayé de minimiser les risques associés à ce type de financement. Comme vous l'avez dit, évidemment, dans les financements innovants qui étaient prévus, les États avaient souhaité, à un moment donné, faire une place importante au partenariat public-privé. Et comme je vous disais aussi qu'au démarrage, nous avons quelques difficultés. Donc, c'est la prudence totale qui est observée dans ce domaine. Mais il y a aujourd'hui, avec la nouvelle loi, une possibilité qui est offerte au niveau donc, des partenaires investisseurs pour pouvoir faire des propositions, mais vraiment, ils vont investir, ils vont se faire rémunérer et donc l'État va reprendre les actifs à la fin donc, de l'opération. Alors, je ne voulais pas être long, mais vraiment, je voulais féliciter la participation de tout le monde, encourager vraiment cette initiative de l'agence Umuatitre qui permet d'échanger sur ces différentes questions. Je pense que l'implication pour la
thématique de cette année de la BOAD apporte aussi un nouvel éclairage et un appui profond. J'ai suivi hier l'intervention du président de la BOAD. C'était vraiment, on est à un autre niveau aujourd'hui en termes d'appréciation de ce qui se passe sur le marché financier régional. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Djibo. Je rappelle que Monsieur Djibo est donc le directeur du Trésor et de la comptabilité publique, et c'est lui qui conduit la délégation du Niger. Voilà donc les quelques questions de compréhension que le modérateur avait sur les deux présentations qui ont été faites. Je vais donc parcourir rapidement les questions qui nous sont parvenues, hein, les questions de l'auditoire. Alors, il y a une question posée à la Guinée-Bissau. On dit, vu sa situation géographique, la Guinée-Bissau possède de nombreuses potentialités touristiques. Existe-t-il de projets structurants dans le secteur du tourisme, construction d'hôtels, etc. Monsieur Correa, peut-être ça c'est à vous. Hein? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'auditeur qui a posé la question. C'est vrai, la Guinée-Bissau a d'énormes potentialités touristiques. Nous avons environ 88 îles dans la côte. Donc, c'est vraiment une grande potentialité. Maintenant, en termes de construction d'hôtels, comme vous savez, les hôtels, c'est souvent du privé. Donc, je pense que la porte est ouverte au secteur privé pour venir et investir dans ces îles-là. Si jamais la volonté y est, nous sommes ouverts et d'ailleurs le code des investissements facilite beaucoup en termes d'investissement direct étranger. Donc pour l'État n'a pas vraiment de projet d'hôtel, de projet spécifique d'hôtel. Non, l'État, c'est un domaine où l'État est quasi absent. Maintenant, c'est qu'un autre projet que l'État a dans le pipeline des projets des PPP, c'est effectivement l'acquisition des fraudes pour assurer la liaison entre les deux parties, les îles et la partie continentale et la partie insulaire. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup. Bon, j'espère que l'investisseur qui a posé la question pourra se rapprocher de vous après pour approfondir un certain nombre de points. Tout à fait. Très bien, très bien. L'autre point... alors, il y a un auditeur qui demande, ça s'adresse aux organisateurs, hein, serait-il possible de recevoir la synthèse des travaux par email pour chaque journée? Merci. Bon, là, je pense que M. Diao va certainement donner des éléments de réponse. Alors, toujours au titre des questions reçues. Alors, il y a une question venant de M. Mahaman Sani Ango, une question à la délégation du Niger. Quelle est la place réservée au partenariat public-privé dans la stratégie d'investissement? Bon, je pense qu'on a évoqué ce point-là, mais si jamais il y avait des compléments à apporter, je pense que la délégation du Niger a tout le loisir de le faire. Et toujours, M. Sani Ango, il dit, enfin, pour les investissements, quelles sont les provisions du prix de la dette pour le Niger avec l'instabilité sécuritaire et aussi en période d'élection et post-élection? Voilà. Bon, donc,
la question est posée au Niger. Hein. Une question à deux volets. D'abord les PPP, ensuite les aspects sécuritaires et la période électorale. Je laisse la parole donc à la délégation du Niger. Monsieur Ekadé, merci. Ses collègues. Merci, monsieur le modérateur. Donc, je pense qu'on a un peu évoqué en ce qui concerne les questions sur les PPP. On ne dira pas davantage, sauf si l'investisseur a une question spécifique pour laquelle on peut donner une réponse vraiment plus détaillée. Mais concernant il fait allusion au fait que nous sommes dans un contexte à la fois d'insécurité, même qui sont également des élections. Bon, on n'a pas de difficulté particulière en ce qui concerne la deuxième partie, c'est-à-dire les élections, parce que les élections au Niger étaient préparées depuis 2 à 3 ans et il y a eu un programme de financement appuyé par les partenaires extérieurs pour lesquels on n'a pas de difficulté particulière. Donc, pour les questions des élections, nous n'intervenons pas sur le marché extérieur vraiment pour financer les élections. C'est vraiment d'appui intérieur direct et puis l'apport des partenaires. Maintenant, pour la sécurité, le phénomène conjoncturel qu'elle était, vraiment, c'est devenu de plus en plus structurel. Vous savez que le Niger est exposé à divers titres au niveau de ses frontières aux questions d'insécurité. Nous, nous avons aussi bien à l'est, au nord, à l'ouest, et même aujourd'hui, même le côté qui était le plus stable, c'est-à-dire côté Burkina, Bénin, une situation qui est devenue une véritable poudrière que l'État est en train de gérer. Mais là, ça pèse davantage sur le budget de l'État, c'est vrai. Ce qui fait que, puisqu'on a parlé et on est en train de parler des infrastructures, certains domaines d'infrastructures sont affectés par ce qui est en train d'être fait. Alors, de mettre les moyens qu'il faut concernant l'éducation, la santé et même le domaine aéroportuaire soit mis en chantier. Aujourd'hui, tout à l'heure, le modérateur parlait de l'intervention de la BOAD, par exemple, sur l'aéroport de Diffa, qui est une zone de sécurité majeure, mais pour laquelle aujourd'hui, un aéroport, avec l'appui de la BOAD, est en train d'être mis en place par l'entreprise Souma, qui nous a fait une rénovation de l'aéroport international de Niamey. On veut faire vraiment un hub pour la zone. Alors, je dois rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le Niger, que Diffa est à l'extrême est, à la porte de l'Afrique centrale, et donc à plus de 1400 km de Niamey. Alors, cet endroit bien aménagé peut servir effectivement d'aéroport relais pour cette zone-là. Le premier financement de la BOAD consistait, par exemple, à allonger la piste de l'aéroport, qui était de 1200-1300 mètres, et elle passe à plus de 3000 mètres. Et l'aéroport, aujourd'hui, a vraiment un standing. Il va prendre forme dans quelques semaines, puisque nous prévoyons d'ailleurs une fête tournante au niveau de la zone de Diffa. Et c'est la finition de cet aéroport qui a légèrement retardé cette fête-là qui devrait avoir lieu en décembre, mais qui probablement va avoir lieu en février ou en mars. Donc, pour dire que les questions de sécurité sont aujourd'hui intégrées dans nos programmes, et chaque année, donc, l'État prévoit à la fois les dépenses au niveau de la sécurité qui, évidemment, bouscule un peu les autres prévisions budgétaires dans d'autres domaines, avec plus de 20% qu'il faut intégrer au niveau de la défense. Évidemment, ça fait autant de budget en moins pour la santé, pour l'éducation, pour les autres. Néanmoins, donc, avec l'appui des partenaires, donc, le financement se poursuit également
pour les questions des infrastructures dont on a parlé. Voilà donc, Monsieur le modérateur, ce qu'on voulait dire sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Djibo. Alors, il y a une question toujours sur le Niger. Et ça vient d'un spectateur, bon, là c'est anonyme, il dit « Quelles sont les actions entreprises par l'État du Niger hein, pour accroître la contribution du secteur des mines et énergie, notamment donc pétrole, dans la croissance du Niger, notamment en termes de participation de l'État dans les sociétés qui exploitent ces ressources ?» Donc, voilà une question posée à la délégation du Niger dans le secteur des mines et du pétrole et de l'énergie. Oui, très bonne question également. Ça veut dire que la personne en question a une information sur la situation économique du Niger. Alors, il faut rappeler brièvement que le Niger était devenu un État minier très tôt au début des années 70. Mais à l'époque, et tout le monde le sait aujourd'hui, donc l'accent n'a pas été donné sur une contribution importante vraiment de ce secteur-là à la croissance économique, étant entendu que vous savez, c'est des secteurs extravertis qui n'étaient pas totalement intégrés à l'économie nationale. Et ça a été le cas ainsi pendant une quarantaine d'années avec le secteur de l'uranium qui constituait l'essentiel. Alors aujourd'hui, ce secteur prend beaucoup moins d'importance chez nous, puisque à la fois en termes de production et en termes de revenus, tout le monde le sait, l'uranium a perdu une bonne partie de sa contribution à notre économie. Évidemment, avec l'orientation vers l'or et le pétrole, qui sont aussi d'autres secteurs extravertis, l'État a changé de politique. Je dois dire que même si à l'époque, au niveau du secteur de l'uranium, l'État avait déjà une part dans les sociétés, cette fois-ci, l'État a voulu vraiment intégrer toutes les sociétés qui sont vraiment dans le domaine. C'est le cas pour l'hydrocarbure, c'est le cas pour l'hydrocarbure, parce qu'il y a deux parties, il y a la production et il y a le raffinage. Donc l'État intervient aujourd'hui de façon importante, autour de 40% de chacun des deux. Et maintenant, vous avez le pipeline. Alors, puisque tout à l'heure, M. Ekari, dans sa présentation, avait parlé de ce qui est attendu, par exemple, en 2022, dès l'instant où on va faire le pipeline d'exportation qui va aller de la région de Difa, donc à l'extrême-est, et puis maintenant rejoindre le Bénin, qui était vraiment la distance la plus longue, puisque dans un premier temps, on voulait exporter vers le Tchad, avec les questions d'insécurité, les difficultés avec le partenaire. Donc, on a dû réorienter vers le Nigeria. Ben, là aussi, le même problème s'est posé. Donc, on a dû se rabattre vers le Bénin, qui est vraiment beaucoup plus long. Et donc, un pipeline est en train d'être mis en place qui va conduire le brut à l'exportation pour passer de 20 000 barils de production à au-delà de 100 000 par jour. Et que donc, sur cette question-là, puisqu'on a parlé du pipeline, là également, l'État va prendre une part importante. En tout cas, nous pensons autour de au moins 20% dans le cadre donc, de cette société qui va construire le transport. Il y a une source de revenus à la fois pour le Niger et probablement donc, pour le Bénin qui sera utilisé comme le port donc, de transport. Donc là, c'est toute la politique qui a été revue, sans compter maintenant les sociétés annexes où beaucoup de travaux déjà dès la construction, aujourd'hui, nous utilisons beaucoup plus des sociétés internes, c'est-à-dire ce que j'appelle pour les travaux connexes. Par le passé, donc, une société étrangère vient avec sa technique, avec ses moyens financiers, avec même son personnel technique pour faire le travail. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus une intégration à l'économie nationale que par le passé. L'État compte beaucoup là-dessus, d'ailleurs. Je m'excuse, hein, je dois repartir parce que là, il y a un appel. Merci, Monsieur Djibo. Merci aux autres panélistes. Hein. Bon, il y a d'autres questions. Hein. Bon, je vais juste lire, mais le temps qui nous est imparti vient d'être bouclé.
on ne pourra pas répondre à ces préoccupations, mais je les lis quand même pour qu'au cas où quelqu'un aurait des éléments de réponse, qu'il puisse, n'est-ce pas, adresser ces différentes préoccupations-là. Alors, considérant les arrangements, c'est M. Abdoulaye Karamoko, considérant les arrangements monétaires de la zone UEMOA, en cas de défaut sur les titres émis sur le marché monétaire pour des problèmes budgétaires du Niger ou de la Guinée-Bissau, est-ce que la BCAO procédera à un remboursement systématique des investisseurs? En d'autres termes, est-ce que les investisseurs sur les titres Niger-Guinée-Bissau ont un risque de crédit ou risque de défaut? Bon, ça c'est la première préoccupation. Une autre préoccupation, bonjour chers panélistes. Merci pour vos brillantes présentations. Je voudrais savoir la suite, enfin suite au souhait exprimé par le représentant de la Guinée-Bissau sur les maturités. Quelle est la plus longue maturité que le marché des titres publics offre aujourd'hui? Monsieur Gédéon Vegba, journaliste économique au Bénin. Bon, et d'autres questions, hein, et d'autres questions qui ont été posées, mais auxquels on ne pourra malheureusement pas apporter d'éléments de réponse. Par exemple, M. Guézenou, y a-t-il des APE prévus pour le Niger sur 2021? C'est autant de questions soulevées, en tout cas qui montrent vraiment l'intérêt, hein, l'intérêt que les investisseurs et tous ceux qui sont autour de ce call-là, au nombre de 158, en tout cas, accordent ou ont accordé au focus des deux pays. Moi, ça a été un plaisir, hein, pour moi de modérer ce panel, en tout cas, qui donc a porté sur les deux pays. Vraiment, je suis très, très ravi. Je suis très, très ravi de cette modération. Et donc, j'ai dit encore une fois merci à Imoatitre pour avoir vraiment associé la BOAD à cette importante rencontre. Et remercier les panélistes, les présentateurs et leurs équipes pour la qualité des présentations et vraiment les éléments de réponse qui ont pu être apportés aux préoccupations soulevées. Et remercier en tout cas tous ceux qui ont posé des questions. Des questions aussi pertinentes les unes que les autres, hein, sur en tout cas cette thématique. La thématique est longue, elle est très très intéressante, elle est d'actualité et c'est ce qui dénote, n'est-ce pas, la densité des questions que nous avons reçues. Donc, Monsieur Diao, je me permets à ce stade-là de vous passer la parole pour peut-être la suite des travaux. Merci beaucoup. Nous remercions les trésors des États de Guinée-Bissau et du Niger pour leur intervention détaillée, et de même que M. Tembeli, encore une fois, pour la modération, qui est très pertinente aussi. Les différentes présentations ont permis de mieux comprendre la question de la réduction du déficit en infrastructure, mais aussi les stratégies de financement et l'impact sur la croissance pour les deux pays qui étaient à l'honneur, à savoir la Guinée-Bissau et le Niger. Un autre sujet est revenu également au cours des échanges. Il s'agit des partenariats publics-privés, qui est aussi un autre mécanisme de financement qui a été au cœur effectivement des échanges au cours de ce focus pays. Nous allons à présent assister au panel numéro 2 portant sur l'élargissement de la base des investisseurs, comment atteindre les gestionnaires institutionnels.